Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue, chers amis, dans votre septième épisode de Sunny Size. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs, voilà, il se passe des trucs. Je suis un peu, comment dire, surpris que Keida m'invite dans le pavillon de thé que j'ai construit moi-même, donc c'est-à-dire pas loin de chez moi. Ça, c'est marrant, j'ai envie de dire pourquoi pas, et je tenais à vous montrer ça. Alors, je suis en train de fabriquer la, comment dire, la grange. Voilà, la grange, on est en train littéralement de fabriquer la grange. Et bonjour, Keida. C'est marrant qu'elle tenait à venir ici. Je savais pas que c'était un point de rencontre. Voilà, je voulais faire quelque chose en particulier. Je voulais discuter, prendre le thé. Bon, on pourrait prendre le thé, non? Je sais pas si ça lui plaît. Discuter, on pourrait discuter aussi. C'est bien de discuter, j'aime bien discuter. J'adore la différence de taille qu'il y a entre eux. C'était marrant. Parce qu'elles aiment pas les petits. Elles aiment pas les petits. On va prendre un petit thé, c'est bien, ça, prendre un petit thé. Prenons un thé. Prenons un thé. Eh ben, il se passe pas grand-chose. On aurait peut-être dû discuter. Est-ce que ça lui a plu? Merci pour la sortie d'aujourd'hui. Mouais. Alors, pour tout vous dire, j'ai été au cinéma avec elle, mais c'est elle qui a proposé d'aller au cinéma. Ça lui a pas plu du tout. J'ai choisi, t'avais le choix entre le film, soit un film d'action, soit de l'horreur, soit une comédie. Je me suis dit, une comédie, ce serait bien. Et bah finalement, ça lui a pas plu du tout. Alors, bah c'est toujours un plaisir de passer du temps avec une amie, bien sûr, une amie. Mince, alors par contre, j'avais pas prévu confesser. Pas encore, parce qu'en fait, je pense qu'on manque d'activité. Mince, j'ai rien à lui donner. Je voulais revendre les diamants, parce que j'ai des sous, mais je voulais revendre les diamants. J'étais en route pour les revendre. Je sais pas si l'on y aura. Écoute, soyons fous. On a du pognon. Je suis allé, évidemment, encore 2 heures. Bon, c'est juste... Merci pour le diamant, c'est très aimable. Écoute, bah de rien. C'est un plaisir, Keida. Et vous voyez, il n'y a plus beaucoup d'arbres. J'ai tout arraché. Vous allez voir, j'ai tout arraché là-bas aussi. Mais on va laisser passer 2-3 jours parce que quand même, j'ai... comment dire... Je suis encore un tout petit peu en train de récolter des trucs. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, bon, on essaie de faire des trucs, donc normalement aujourd'hui, il y a la foire. On pourrait aller faire un petit coucou à tout le monde à la foire. Je pense que quand il y a la foire, on peut inviter personne. Anniversaire de... Putain, ça, il faut que je surveille. Oui, mais s'il a son anniversaire... Ah oui, attends, je lui ai donné un diamant, j'aurais pas dû. J'étais un peu con. Bon, bref, attends, je m'éparpille, là. Je m'éparpille, comme d'habitude. Bon, bref, il y a la foire. On peut aller voir, vendre nos diamants. J'ai des diamants d'innocence. Et demander à Papy Forgeron de me faire des tuiles. Il me faut beaucoup de tuiles. Beaucoup de tuiles. Pas de... Bon, de tuiles. Je sais même pas pourquoi je vous dis comme ça. Des amis belges. Bon, bref. Hop là, C2. Et évidemment, vous l'aurez compris. Moi, mon but, bah, c'est que tout soit raccord. Et en fait, je pensais le mettre ici aussi, pour avoir des animaux, la grange, c'est important, on a besoin d'animaux, enfin, décidément c'est pas, ouais c'est très très, ok, on a besoin d'animaux et puis évidemment, autant rester dans le, comment dire, dans la tradition et puis pas l'emmener trop loin. Alors, au début je pensais le mettre là, mais puisque j'ai les lapins, les petits animaux, que j'en aurai d'autres en plus, et que j'ai les cultures qui sont là. Regardez-vous, en fait, j'ai tout déplacé là. Ça, j'ai normalement les matériaux pour les construire et ensuite pour les bouger. Peut-être même les mettre... Enfin, on verra. On verra. Et vous voyez, il ne manque pas grand-chose. J'ai commandé les planches qu'il me faut. Là, il faut que je commande le reste des tuiles. J'ai passé, évidemment, 2 heures à farmer ça. Bon, 2 heures, non, 1 heure et demie, pas plus. Donc, allez, c'est parti, il est 7 heures. Sinon, comme dit, je suis allé au cinéma avec Keida, elle a détesté, bon, why not. Sinon, quoi de neuf? Bah, que du vieux. Ah si, on avait la tempête pendant, je sais pas, 4-5 jours, quoi. Il faisait un temps dégueulasse à pas mettre un tatsu dehors. Et bah, j'ai fait que travailler. Et puis sinon j'ai reçu une belle lampe de YouTube. Il est content Tatsu. Parce que bah c'est bien. Et bah, alors c'est mon petit trophée personnel. Pour les 7 ans. Voilà, 7 ans apparemment c'est un chiffre qui est sympatoche.
Voilà. Attends, non, bah non, c'est parce qu'il est à la foire. Il est à la foire. Ça lagouille un petit peu. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, 7 ans, c'est bien. Voilà, et puis c'est une petite lampe que tu peux pas acheter n'importe où. Donc tu peux pas acheter tout court, il me semble. Et c'est cool. Pardon, madame! Et c'est cool, voilà, moi ça me plaît bien parce qu'il est très joli une fois allumé. Et il y a un petit bouton, mais je pensais que c'était un bouton, mais en fait non, faut juste caresser pour que la lumière fût et la lumière soit, quoi. Je viens d'échanger. Je m'étonne moi-même des fois. Comment j'arrive à faire des conneries comme ça? Bon. Alors il paraît qu'il y a une boîte quelque part, mais il faut pas que ce soit la foire pour qu'elle soit là. J'y comprends plus rien. J'ai beau lire 10 fois, je la trouve pas cette boîte. Je la trouve pas cette boîte. Alors, salut, salut, Naka. Non, t'aurais pas de la bouffe? Je crois que j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup. Oh, attends, un petit soba au radis blanc. Arc. Du curry doux. Bon, allons-y. Faisons-nous plaisir. On travaille beaucoup quand même. Tu crois qu'on pourrait offrir un truc à Keita? Kaida. En plus, j'arrête pas de l'appeler Keita, mais c'est Kaida. Du café. Oh, ils ont du café, dis donc. Café standard. Grand café. Écoute, je vais essayer les grands cafés pour voir si le... Ah, ça reste plus longtemps. Tu sais, le boost d'énergie. Et puis des petits bentos du midi. Oh, j'en sais rien. Écoute, prends encore des comme ça. Voilà, il y en a pour 72 balles. Autant que moi quand je fais les courses pour une semaine. Ok, donc monsieur. Monsieur, le vieux monsieur. J'ai besoin de tuiles. Il faut que j'arrête. Je m'énerve moi-même. Les tuiles Levi's, normalement, je les ai. Il m'en faut. J'en ai 29. Donc, il m'en faut 71. 71. Vas-y, roule ma poule. Roule ma poule. Alors, autre chose, apparemment, j'ai réinstallé le jeu avec la bêta. Apparemment, 50, oui, mais elle a déjà fait ça la dernière fois. D'accord, on en a déjà 50. 50 tuiles. Je sais même pas si j'ai assez de tuiles. J'en ai pas 400 complètement. Bon, on m'avait dit 50. La différence entre 50 et 60, ça fait 21. C'est ça, hein? Ça fait 60. Ça fait 60. Oui, ça fait ça. Ok. Putain, merde. J'espère que c'est bon. Des fois je suis trop confiant dans mon comptage. Alors, hop là, donc ça fait 5 ans, ça fait 60. 70, 71. Ça va aller? Il me reste encore 20 d'argile. Putain, je suis short, hein. Je suis short. Putain, j'espère que c'est bon, hein. Alors, écoute, franchement, fais tout. Fais tout parce que vraiment, ça me stresse. Ça me stresse. Ah, c'est vrai que les bocaux en verre, donc il me faut du sable. Oh, non, mais enlève. Il me faut du sable. Et on m'a demandé comment est-ce qu'on ramasse du sable. J'ai dit, bah, il y a la plage. Hey, il y a la plage. J'ai jamais essayé. D'accord, donc je peux en faire 4. Mais du coup, pas 5. Ça me fait 4 de plus. Voilà, comme ça, j'ai plus rien. Enlève. Enlève. Ok. Au revoir. Et bonjour, elle n'arrête pas de m'appeler pour m'inviter. Elle est mignonne, mais bon, j'ai déjà tellement à faire dans une journée. Et puis, oh, je voudrais pas que Kaida soit jalouse. Un petit peu, on va dire. Parce que ça fait quand même une belle plante verte. Hein. Kaida, je suis passé la voir quelquefois, histoire d'avoir des informations. Elle aime les fleurs. Mais non, pas toi, pas comme ça. C'est quoi déjà les Dalilas? Les Dalzim? Oh, je sais plus, j'ai déjà oublié. Les Dylan? Bon bref, c'est une fleur qu'il faut faire pousser. J'ai des graines, mais ça je vends. 1600 balles. Oui, globalement c'est ça. Ok, ça donne. Yeah, on a 3800 balles. Revenons au jeu. Mais on a 3800 balles. Bon bah voilà. Voilà. Là il y a des chèvres. Là il y a Shady. Donc demain, on devrait avoir les tuiles. La coccinelle. Oui. Est-ce que vous achetez du bois d'arbre? Non, pas vous, hein. Pas vous. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Ah, la fille, quoi, elle est pas gênée. Un nichoir, lapin d'argile. Ouais, c'est que de la déco, quoi. Bah, cela dit, enfin, ils ont un peu de paille. J'ai déjà de la paille, de la ficelle et de la corde. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Il faut passer chez la dame qui vend du tissu, mais elle en a pas toujours. Et en fait, la dame, c'est... Alors toi, évidemment, Philippe!
Philippe. Check an order statue. Ah oui, parce que je lui ai commandé des trucs. Philippe, est-ce que tu as du nouveau en blueprint? Le truc, c'est que comment on fait la petite lampe? J'ai pas. Ça, c'est quoi ça? C'est une pierre de jardin? Pierre de jardin. 13 balles. Je prends. Quoi faire? J'en sais rien. Ça, c'est un présentoir mural. Présentoir. Bon, écoute, petit présentoir mural. Et ça aussi, je prends. On sait jamais. La montre. Bon, pourquoi pas? Ouais. Pet water bowl. Ouais, 4 foot water. Ouais. Et puis, une étagère. Écoute. J'achèterai tout à un moment ou un autre. Mais pour l'instant, j'y vais par parcimonie. Oui, je cherchais la dame qui est normalement ici. Bon, il paraît qu'elle a du tissu une fois de temps en temps. Et je crois que... Attends, pousse-toi s'il te plaît. C'est l'épicière... L'épicerie du chêne. C'est là, c'est Madame la vieille dame. Il paraît que c'est tout en bas. Mais non, parce qu'elle en a pas tout le temps. Et il me semble que j'ai vu des sacs de couchage. Tu vois, là, elle a des tentes. Mais pareil, elle en a pas tout le temps. C'est comme les bento, elle en a pas tout le temps. Donc c'est un peu... Je sais pas si j'ai encore des trucs aux fruits. Tiens. Je vais voir. Passe le bâton à la cannelle. Mouais. Mouais. Des cuisses de poulet. Moi j'ai des poulets. Donc elles me font des œufs, mais... Bon, bref. Voilà qui est fait. Ok, bah, on a fait le tour, globalement. Ah bah tiens, ah bah... Ah, bonjour. Chaud et pluvieux. Moi, elle aime pas ça, la pluie. Une belle plante verte, j'aime vivre au sanctuaire, j'adore sa façon de reculer doucement pour se barrer, ça c'est génial, merci, hein. C'est toute l'histoire de ma vie, t'as toujours le truc avec les arbres, machin, et elle est contente, là, il y a les cigales, là elle se barre, c'est génial, et qu'est-ce que c'est séduisant, c'est génial, j'adore ça, bon ça fait une belle plante verte, mais quand même, je pense que c'est, j'aime vivre dans le sanctuaire, voilà, hein. Des fois c'est en lui parlant que tu as des, Nathalie est une jeune femme incroyable, il faudrait que Nathalie... Oui, j'ai compris, merci, elle me parle beaucoup de Nathalie. Et donc là, quoi qu'il arrive, là, tu vois, tu fais un petit... Et bonjour, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Et là, elle te dit, oh, je suis très très occupé. Ah là là! Ah, je suis pas dispo, désolé. Oui, elle est à la foire. Ok, ça c'est fait, enlève-toi. Ok, bon, bah voilà. Ça c'est géré, on a du pognon, et ça c'est bien, c'est toujours une bonne chose. Ouais. Je vais juste passer chez le menuisier. Et puis, bah, normalement, demain, on va pouvoir. Je vais invoquer mon vélo. J'ai du mal à le dire. Il est tard. Et, allez, c'est parti. C'est parti. Attends, je vais descendre les escaliers. Alors, je sais pas ce que vous en pensez du. De l'épisode d'hier avec où j'ai fait ma maison, mais j'ai passé l'épisode d'hier, hein, globalement 2h30 sous la terre à creuser des minerais, et ensuite j'ai passé aussi, il y a eu 2 heures de rush pour faire la vidéo, donc bon sens que c'était long, j'ai dû tailler dans le vif, il manque plein de morceaux, mais en même temps, moi, vous me connaissez. Quand je commence à parler, c'est difficile d'arrêter. Donc, on va tâcher quand même de faire une petite vidéo, moi, trop. Voilà. Alors, je sais bien que si on vous demande votre avis, vous allez dire « Non, on veut plein de vidéos de Tatsu, super longues. » Ouais, vous êtes bien les seuls. Ok, ça, c'est le resto. On a vendu les bijoux de famille. Ça, c'est chez... Putain, ils ont une maison de dingue, hein. Maison de dingue. Ça, c'est chez Machine, exploration, bien sûr. Ah oui, j'ai découvert un truc, c'est quand tu vas au temple, il faut avoir des trucs sur toi pour débloquer les points. Voilà. Bah, je sais plus si c'était dans l'autre vidéo ou pas. Oh, je sais plus si je l'ai supprimé ou pas. Eh ben voilà, bah, du coup, je sais plus ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et quand je dis qu'il faut avoir des trucs sur toi, c'est-à-dire, par exemple, là, je suis exploration niveau 10, niveau 11, eh ben, t'as exploration niveau 5 et il te manque un bambou. Voilà, pour passer le niveau, le machin. Et avoir, je sais pas, j'en ai aucune idée d'ailleurs. Un petit proc, un petit machin en plus, ramassage plus mieux. Bon, et ben, vous savez quoi? On peut pas inviter qui que ce soit, on va juste laisser passer ce dimanche, tout simplement.
y est. Tout est là. Tout est prêt. On va enfin pouvoir... J'espère que c'est bon, hein. Ok, 75. Bon, bah, c'est parfait. J'en ai fait 4 de plus. Bah oui, 71, 75, 4 de plus. Parfait. Enfin. Je suis pas complètement débile, je sais compter. Allons-y. Bon, il fait bon aujourd'hui, en ce lundi matin à Sunnyside. Un petit peu d'aliasing, mais un temps parfait. Parfait pour une petite sortie au rempart, bien sûr. Et il y a autre chose qu'elle m'avait dit, Kaïda, c'est elle voulait le axolot qui était sur les machines à pince. C'est les machines à pince. Elle voulait le axolot. Apparemment, il lui plaît. Hop là. Bon. Instant de vérité. Eh oui, d'accord. Il peut pas le build parce que... J'ai vraiment besoin d'une tondeuse. On fait voir. Est-ce que ça touche là derrière? Est-ce que ça touche là derrière? Je pense que oui. Je pense littéralement que oui. Ah, plus d'énergie. Bah, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Donc d'abord café évidemment, et puis ensuite petit curry. On a eu à avoir le ventre dans un état lamentable. Allez, non, pas la hache. Pas la hache, hop là. Sinon, il faut que je vous parle de mes combats, parce que quand même, il faut que je vous montre un truc. Un truc sympa, c'est... j'ai reçu des coups spéciaux avec Skippy. Pas Skippy. Sparky. Oh, Sparky. Bon, bref, et c'est de l'or. Voilà, les trucs, ils sont en or. Les puces, elles sont en or. Elles font 75-300. Et là, tu vois, j'en ai une qui fait, voilà, 100. La tempête, là, c'est un banger. Elle tue la moitié du bonhomme, et s'il a une faiblesse dessus, ça tue complètement. Ça, c'est encore les vieilles, je crois, non, pas du tout. Mais j'ai même ça. En fait, j'ai dû en avoir 4. Je sais pas. Je sais pas si j'en ai parlé. Peut-être que je radote. Je suis désolé si je radote. Comme je sais déjà plus ce qui s'est passé hier. Je suis vieux, usé, fatigué. Hop là, et... hop là et là aussi. Allez, on arrache toutes ces mauvaises vilaines herbes. Il va falloir que je fasse un trou dans la clôture pour pouvoir arroser plus facilement, mais en même temps... Attends, du coup, toi... Bon, et maintenant tu veux bien ? Pas du tout. Bon, s'il veut pas, ça veut dire que... Non, pousse-toi. Pousse-toi, tu gênes. Ça veut dire que... Alors, soit il y a ça. Non, parce que moi, ça m'arrangerait qu'il ne l'avance pas trop, globalement. Mais bon, il va falloir avancer. Bon, bah, tant pis. Petit réglage, c'est obligatoire. Alors... Need clear space. Oh, putain, t'es pas chiant, toi. Et voilà. C'est construit. Et voilà. On peut avoir des baits. Mais oui, d'accord. Mais il va falloir tout installer à l'intérieur. Tout ce qu'il y a pour bouffer. Putain, mais cette herbe, je peux plus la voir. Enlève le vélo. C'est ridicule. Il va falloir tout découper. Mais il va falloir surtout déjà commencer à fabriquer. C'est foutu clôture. Essayons, je vais essayer. Vraiment, je promets rien. Si je coupe, de toute façon, c'est que ça n'avait pas marché. On peut essayer. Donc il me faut les vis, il me faut les planches tendres, les poutres en bois dur. Putain. Et puis les vis, beaucoup de vis. J'ai ramené normalement beaucoup de vis. Ça m'a coûté 300 balles. Donc, on avait dit... Ouais, les poutres en bois dur, ça m'étonnerait que ce soit ça. Où sont les vis? Ah, là, il y en a 100. Ah, il faut que je découpe de l'arbre. Ah, oui, j'ai dû l'utiliser pour autre chose. Oui, je les ai utilisés pour les machins. Bon, bah, c'est pas dramatique. On va en refaire. Bah, de toute façon, à part faire un rendez-vous avec Kaïda aujourd'hui, on va
va pas pouvoir faire grand chose, mais ce serait bien quand même de bazarder ce truc. Enfin, j'ai des pierres précieuses. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir tout ranger. Ça ferait plaisir. Ah oui, bah il y a ça aussi, il faudrait que je l'offre à Keïda. Parce que apparemment elle aime écouter la musique. Donc je voulais lui offrir ça. Des blocs de bois dur. Non, ce ne sera pas des blocs de bois dur. Ce ne sera pas des blocs de bois dur. Donc il me manque tout. Mais enfin, ça dépasse l'entendement. Planche tendre. Ah bah je. D'accord, j'ai tout utilisé. J'ai tout utilisé. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Écoutez, on fera ça une autre fois. On va faire des tout simplement des. Ah. Ouais, des petites clôtures comme ça, c'est pas grave. On fera ça hors caméra parce que tant pis. Ok, heureux. Ouais. Regardez, on voit le connard. Oh, pardon. Ok. Parce qu'ils ont vraiment tendance à se barrer, hein. Voilà, en fait ça je pourrais peut-être le supprimer et juste bouger. Que ce soit un peu moins pentu. Ils ont beaucoup d'espace les petits hauts là. C'est pas... ça devrait aller, regarde-moi ça. Bah, alors, pose. Quand tu veux. Voilà, tu poses. Hop là, et hop là. C'est bien ce truc en... Alors par contre, si tu fais ça, ils vont s'enfuir. Je les connais. Le moindre trou, ils s'enfuient. Ah, patin. Voilà, ça c'est fait. Et en plus, on gagne des points en construction. Ensuite... descend et sois précis. Parce que le moindre trou, ils s'enfuient. Les lapins, les... les poules, le moindre trou. J'ai essayé. Ouais, écoute, fuck it le dernier, là. J'ai vraiment peur. Regarde, ils attendent que ça. Ils sont là, à l'affût. Allez, vas-y, détruis-le. Détruis-le, je te regarde. Détruis-le. La nature nous appelle. Nous serons libres comme des aigles. Coco ! Mais ça fait pas coco, des aigles. Elle vient de répondre. Elle vient de répondre. Oh, pourtant, ça m'embête juste un tout petit peu, regarde. Ah non, parce que je l'ai éteint. Oui. Eh ben, tu sais quoi? Ça me plaît comme ça. Vraiment, ça me plaît. Alors, ça épouse pas super bien. On perd un peu de terrain là derrière, mais je trouve ça mieux agencé. Et en fait, il y a des portes. Il y a des portes qui... Oh. Voilà, que tu pourrais mettre comme ça, et puis, bah, mince, j'espère que les animaux, j'espère que les gros animaux pourront ne pas, oh, putain, non, mais arrête, je voulais, non. Excusez-moi, merci, je voudrais juste monter, j'espère qu'ils ne vont pas s'enfuir et tout casser, c'est possible qu'ils cassent tout, hein. C'est largement possible qu'ils cassent tout. Bon, allons voir, quels animaux, alors, je voudrais des moutons. Ça, de toute façon, je suis tellement excité d'avoir des animaux, j'ai oublié mon vélo. Oh, mon vélo! Oh, mon vélo! Il faut que j'enlève toute l'herbe comme ça. Mais ça, c'est bien, tu vois, ça me plaît. L'agencement est vachement bien. Je trouve que c'est très, très bien. Je vais évidemment découper toute l'herbe et même ces bambous nuls, là. J'en ai marre. J'en ai marre qu'ils divisent la propriété en deux. Je veux une place de parking. Je veux faire place nette. Comme à Marseille, là. Mais en mieux. En milieu. Ouais, non, c'est bien comme ça. Hein. Non, c'est bien, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît, le truc est quasiment droit. C'est pas mal. Blablabla. Il faut y me péter la gueule. Ah oui, mince, est-ce qu'on n'inviterait pas la miss à déjeuner? Je sais pas si ça marche. Mais je voudrais vraiment avoir un déjeuner avec. Je crois que ça... j'y arrive pas. Attends, bouge pas. Hop là. Bon, qu'est-ce que... Merde, ça, j'ai... toujours pas de cadeau. Elle est où? Hop là. Elle est là. Bon, globalement, on a droit à un seul rendez-vous par jour. Et je voudrais voir... Il est midi. Il est temps de manger, normalement. Il est où? Il
il est là. Alors, parce que tu vois, regarde, prendre un café. On peut toujours pas déjeuner. Pourquoi? Pourquoi ne peut-on pas déjeuner? C'est chiant, je comprends pas. Bon, un truc qu'elle adore faire, c'est le camping. Un truc qu'elle aime bien aussi, apparemment, c'est le jardin de Anna. Mais par contre, je peux juste se promener, traîner ensemble. Et puis, tout le reste, apparemment, je peux pas, j'ai pas le droit. Nec. Bon, on va éviter la pêche ce coup-ci. On va essayer. On se voit là-bas. Il fait beau, il fait bon. Normalement, la pluie, elle aime pas ça. Bonjour. Salut, Kaita. Vous voulez faire quoi de particulier? On va éviter la pêche. Passer du bon temps ensemble. Il y avait pas ça la dernière fois, je crois. Je sais plus. Traîner ensemble. Eh ben, passer du bon temps ensemble. Et là, elle va dire, c'était la pire journée de ma vie. Apparemment, ça parle, mais ça parle pas. Enfin, bon, bref. Merci pour la sortie d'aujourd'hui. C'est tout. Toujours un plaisir de passer le temps avec toi. Shodai, j'en sais rien. Est-ce que tu acceptes ceci? Oui. Merci. Oui, là, tout ça. Ça lui en touche une, sans faire bouger l'autre. Enfin, ça, c'est plutôt pour moi que je devrais le dire. Mais elle accepte. Voilà, c'est super. Bravo, je marche sur les fleurs. Pas décidément. J'ai l'impression de tout rater. J'ai, en plus, on a passé. Oui, bon, bah. Apparaît, connard. C'est pas vrai. Bon, allons chercher les animaux. Ah, il pleut, bravo. Ah, voilà, c'est une parfaite allégorie pour ma vie de merde. Il pleut. Parfaite allégorie. Alors. Mince, je voulais voir si la mamie, elle avait des... Oh. Du tissu. Blablabla. Pardon. Et voilà. Je voulais voir s'il avait du tissu dans le magasin. Sinon, on m'a dit que... Mais bon. Mais ça va, ça vient, globalement, je sais pas. Voilà, c'est fait de tout petit rien. Tout ça. Ok. Voyons voir, acheter des animaux, certes. Acheter des articles aussi. Parce que, alors, nourriture pour chiens, auge pour chevaux, abreuvoir pour chevaux, foin, certes. Donc, abreuvoir standard, grand abreuvoir. Ok. Et par contre, tu mets quoi là-dedans? Tu mets du foin? Mais du foin. Voilà, la paille c'est pour nettoyer le caca, le foin apparemment c'est pour manger. Prends tout de suite 30. Bon, 31 si tu veux. Tout le reste, ça c'est pour les chevaux. Pour l'instant, je n'en ai pas. Tu crois que le cheval il sera plus rapide que. J'en sais rien. Que mon vélo? J'en ai aucune idée. En tout cas, ça sera plus cool, ça c'est sûr. Bon, acheter des animaux! On y est enfin! Oh, une vache adulte, 13 balles seulement. Je crois que c'est pas cher. Mais je sais pas combien d'animaux je peux mettre là-dedans. Parfait, je peux pas l'adopter. J'en ai marre. Pourquoi je peux pas l'adopter? Why? Est-ce que toi je peux t'adopter? D'accord, alors je peux pas l'adopter pour l'instant. Pourquoi? Mais c'est ça le problème avec le jeu. Le jeu, je trouve qu'il a un problème. C'est que il te bloque sur certaines mécaniques. Vraiment, il te bloque complètement. Il te dit pas pourquoi. Pourtant, la grange, j'en ai qu'une. Style à placer. Parce que les autres, elles sont pareilles, mais c'est des modèles différents. Bon, j'ai déjà placé l'abreuvoir et tout ça. Peut-être que ça va marcher. Enfin, j'essaye de deviner. Je tâtonne, tu m'étonnes. Est-ce qu'il n'y a pas de porte sur le truc? Est-ce que je le mets à l'extérieur ou à l'intérieur? J'en sais rien. Et puis du coup, il me faut le drone. Voyons voir. On teste, vraiment on teste, mais j'aime pas trop faire ça en vidéo parce que ben si ça marche pas, faut couper, faut tout refaire. Toujours la mode. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est tourne-disque. Oui, bah je l'ai plus. Je l'ai offert. Elle en a rien à carrer, mais je l'ai offert. Ok, grand abreuvoir. Auge standard, abreuvoir standard. Je vais faire ça comme ça.
Donc on est d'accord, ça c'est grande abreuvoir, abreuvoir standard. Pour l'eau, ok, l'eau, on va mettre ça là. Et puis le manger, on va mettre ça là. C'est bien que ce soit là, t'as l'eau et l'eau, t'as le manger, le manger. Tatsu il est content. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là? Poste de traite en bois. D'accord, c'est pour mettre une vache dedans et c'est pour la traire. Ok. Bon bah écoute, c'est en place. Ensuite, j'ai acheté ce qui est de la paille et de l'eau. Oui, j'ai surtout acheté de la paille. Peut-être dû en prendre plus déjà. Ok, d'accord. Et c'était ça les assets un peu nuls. Alors par contre, est-ce qu'il me reste encore de l'eau? Non, j'ai tout déposé, j'ai tout déposé. J'ai tout déposé, mais on a tout dans le coin. Ne bougez pas. Oui, mais vous êtes bien là, vous n'avez pas besoin de 1000 places. Enfin, ça dépasse l'entendement. Ne bougez pas, j'avais de l'eau ici. Et hop là. Il n'y en a plus que deux, c'est pas grave. Il n'y en a plus que deux d'ailleurs. Voilà. Oui, bien sûr. Vraiment, t'existes à moitié. Atteindre. Vas-y, saute. Saute, mon bro, là. Ce serait marrant que je puisse faire du foin avec de l'herbe que j'ai coupée. Et ça utilise un seul seau à chaque fois. Bon, est-ce qu'il est encore l'heure d'aller l'acheter? Ouais, je pense qu'il ferme à... genre à 17h, une merde dans le genre. Je crois savoir pourquoi je ne peux pas l'adopter. Parce que, en fait, mon niveau, je crois que c'est ça, hein. Tu vois, les lapins, je peux les adopter. Je suis où, là? Les lapins, je peux les adopter. Et ça brille. Mais les vaches, peut-être que mon niveau est pas assez haut. Je crois que pour tout ce qui est grands animaux... mon niveau en élevage n'est pas assez haut. Donc il va falloir voilà, faire de l'élevage, quoi, tout simplement. Ah, j'ai peut-être pas fait ça la dernière fois. Payer. Non, 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 les animaux, je pense que c'est à cause de ça. Je pense que c'est à cause de ça. Est-ce que je peux être d'autres poules? Non. C'est plein. Moi, je crois que c'est ça. Il faudra aller au temple. Faudra aller au temple. Oh, arrête ça. Ah, je suis déception. Je ne suis que déception. C'est prêt, je pense que tout est prêt. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Allons en temple. Voir un petit peu le pourquoi du comment. Je crois que c'est ça, hein. Lapin. C'est fait quand même, les poules. C'est fait. Mais il faut que le niveau y monte. Mais il faut aussi débloquer des trucs. Allons voir. Et puis bon, voilà, il fait un temps à pas mettre un tas de sous dehors. Un connard dehors, c'est pareil. Petit virage serré sous la pluie, bien sûr. Et attention, le roulement directement sur... Oui. Et voilà, et je me pète la gueule devant la copine. Bonjour, ça va? Regarde de la neige. Où ça? C'est d'où? Ma grande, il neige jamais à la capitale. Je sais pas si je m'y habituerai un jour. Et sinon, est-ce que tu aimerais que nous fassions une promenade ensemble un de ces jours? Bah oui. Peut-être une randonnée. Bon bah ça c'est un indice. Et sinon, il neige, ok, à la capitale, bien sûr. Autre chose? Bonjour, tu as bien progressé dans l'exploration de grottes. Continue comme ça. C'est très gentil, hein. Voilà, c'est très gentil, j'adore quand elle fait ça. C'est génial. Elle se barre doucement. Alors, tu sais, quand t'es vendeur et quand t'as un client qui t'accapare, c'est toujours très compliqué de décrocher. Il faut essayer de faire avec tact. Allez, vas-y, roule ma poule. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et comment je monte le truc? Récolte de ressources. Oui. Combat. Bah, en fait, élevage, je suis à 1. Élevage, je suis... Ah oui, bah oui. Donc, niveau 3 et plus mouton. Ah, non, mouche de pêche laineuse. Mouche de pêche laineuse, comme... Hein? Les cochons.
Déchets organiques. J'imagine qu'il veut parler de caca. Parce qu'il faut ramener le truc. Ok, poule. Niveau 3. Un œuf blanc. Oui, ça j'ai. Un œuf de canard. Ah oui. Pour avoir les canards, il faut ça. Donc oui, en fait, je suis... Et c'est loqué. Pourquoi c'est loqué? Pourquoi je suis juste niveau 1, enfin? L'agriculture, pareil, tu vois, c'est... Voilà, il faut commencer. J'ai apparemment rien fait. Tu vois, les fraises, il faut atteindre le niveau 3 et... voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut que j'installe les portes. Bon, bah, chers amis, j'ai compris la leçon. Je me suis bien pété la gueule. Ce qui est génial, c'est que même très très loin, on voit mes poules et mes lapins. Ah, ça va, calme-toi. Bon, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est prêt pour les accueillir. Parce que je construis un peu à la... un peu à la Ranch Simulator. Mais putain, mais je me demande surtout, mais qu'est-ce qu'elle est allée où comme ça? Sous une pluie battante. Elle a rendez-vous avec quelqu'un, tu sais, le mec, il est jaloux. Ouais, bah écoute, on va faire la chose suivante. On va aller au bar. Je sais même pas s'il est ouvert. Je crois qu'on va aller au bar, tout simplement. Quelle heure il est? Il est 19h. Et puis, bah si, c'est... Ah bah tiens. Ah non, ça plante pas. Par contre, la pluie, évidemment... Waouh, ok, tout va bien. La pluie, évidemment, fait que ça lag. Ce serait marrant de la trouver ici. Voilà, il y a une personne qui n'existe pas vraiment. Ok. En fait, je voulais jouer à ça. Bon, apparemment, j'ai l'impression que les... Comment dire? Les peluches changent. J'en avais chopé un. Mais je sais que les peluches, elles changent. Ouais, je m'en calisse. Il faut que je sorte aussi avec un type. Pour la quête, bien sûr, pour la quête. Hop là. Oh, ça marche pas, il est pas complètement dedans. Si, ah, il le prend. Ok, d'accord, bah, génial. Et donne. Il y a le petit lapin, là, qui est trop bien, là, regarde. Je crois que j'en avais chopé un, de lapin. Je crois que je lui ai offert. Elle en avait rien à carrer. Mais je sais qu'elle m'a dit, elle voulait un axolote. Je sais que c'est... Oh, mais attends, il y a un requin, là. Trop bien, le requin, là. Hop là. Oh, derrière. Derrière. Oh, je veux le requin. Je veux le requin. Allez, roule ma poule. Non, 9 balles. On s'en fout, on a du pognon. Revenons au jeu, bien sûr. Ok. Hop là. Oui. D'accord. C'est pas tout à fait... Ok, mais ça marche. Bon. J'aime bien aussi la boulette de riz qui est contente, enfin qui est hyper combative là. Allez, la boulette de riz. C'est un onigiri ce truc là. Ouais, on l'a. On va tout prendre. Voilà, si elles aiment les peluches. Alors si je prends tout. Mais il est trop cool ce petit requin là. Regarde-moi ça, il est trop mignon. Si je prends absolument tout. Est-ce que demain il renouvelle? Ça, ce serait marrant à voir. Voilà, vas-y. Est-ce que ça marche? Pas du tout, derrière. Bon, il va être compliqué, ce truc. Allez, vas-y, vas-y. On va y arriver, ou pas? Bah, ça fait durer la vidéo un peu plus longtemps. En fait, pour tout vous dire, je sais pas trop quoi faire. On peut réinviter Keita en ville. On peut aller en ville demain. Et puis, oh, patin. Ouh là, il va être compliqué. Et puis, l'inviter pour aller en ville, genre faire du shopping ou un truc dans le genre. Ça peut être sympa. Mais je suis pas sûr qu'elle va aimer parce qu'elle aime bien les trucs, les randonnées, les trucs en nature. Le camping, ça lui plaît beaucoup. Bon. Je suis encore trop loin. Ah, ça c'est bon. C'est bon. On l'a eu. Et puis, bah, quant aux animaux, on va falloir s'en occuper un petit peu tous les jours. Et puis voilà quoi. En attendant, bah, on a des quêtes à faire. Ouah, il y en a un, c'est un démon. Non, dommage. Je veux le démon. Il y a des onigiri, des trucs. Je sais pas si c'est pas des takoyaki ou des... Non, non, mais arrête avec ton pseudo, là. Stop.
ça donne. Ouais, on l'a eu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On verra tout à l'heure. Allons-y. Je veux le dragon là derrière. Alors, c'est pas un dragon, c'est un ananas. Je crois que c'est un ananas. Oh, il y a un espèce de sushi, onigiri sushi là. Oui, d'accord. Ça fait flipper quand tu fais ça. Bon, bref, écoutez, je ramasse toutes les peluches et je vous dis à tout à l'heure. Ok, chers amis. Alors, j'étais en train de dévaster la forêt quand je me suis dit, mais. Mince alors, faudrait quand même commencer à penser à les faire repousser ces arbres. Et je me suis souvenu que le gars du laboratoire m'avait demandé de passer. Se pourrait-il que ce monsieur, enfin cette dame peut-être, j'en sais rien. En fait, on est juste à côté, donc autant y aller. Je suis venu chercher des arbres jusque là. Donc déjà, allons-y. Franchement, ça marche. Je sais même pas si ça marche. Ouais, bon, bah tant pis, si ça marche pas. Bah tiens, apparemment, si. Et bonjour, qui êtes-vous? Non, mais je les connais pas, si. C'est toi, super. Entre donc, je te sers un thé. Non, merci. Pourquoi t'as dit non, merci? Peut-être que moi j'en voulais un. Qu'est-ce que tu as déjà. Est-ce que tu as déjà rencontré Anita? C'est mon assistante de recherche. Je sais plus. Déjà, tête dans le coin. Salut, Tatsu. Qu'est-ce que c'est? C'est Sparky! C'est Sparky, voilà, fascinant. À quoi il sert? À tout. À faire des dégâts. C'est une arme. J'observe les humains pour mieux les dominer. Alors, c'est un drone de recherche. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, j'ai passé quelques temps à Higashi, la dernière semaine, à travailler sur mon propre projet de recherche. Je suis de retour depuis quelques jours, d'accord? Enfin, bref, n'hésite pas à faire un tour si tu n'as pas peur des insectes. Des insectes? Ah, mais il parlait d'un insecte à un moment donné dans le truc. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tous les... Hein? Hermétique? Attends, est-ce que tout est bien hermétique? C'est venimeux? C'est machin qui demande ça, c'est moi qui demande ça, mais j'ai pas peur des insectes. Bon bref, même si certains insectes ici sont toxiques, libère pas leurs toxines si on les consomme pas. Bref, ne les mange pas, globalement, abruti. Ne touche à rien. Je suis étymologiste. Dire simplement, j'étudie les bestioles, les insectes et les plantes. Une particulière raison pour laquelle je te demande de venir ici. Les insectes, ce n'est vraiment pas mon... Mon quoi? Ah, toi, c'est lui qui te parlait. Bon, bref. Oui, mais ça devrait. Ton gagne-pain dépend de... Comment ça? Ah oui, oui. Les insectes sont indispensables à l'écosystème. Sans leur participation pollinisation, presque tous les fruits et légumes que tu fais pousser produiront jamais rien. La pollinisation sont d'ailleurs au cœur de mes recherches actuelles. Les abeilles mellifères, pour être précis, quelle colonie établie ici? Ah, on va faire des apiculteurs? Non, si. Utiliser pour nos recherches. J'ai même conçu un prototype des plants de ruche. Ruche, une boîte d'abeilles, une boîte faite par des humains, des abeilles de formation, une ruche. D'accord, il veut que tu mettes des abeilles dans ta ferme. Oui, j'ai compris, merci. Bon, bref, tu comprends, mes abeilles sont dans l'environnement très contrôlé. Pour l'instant, c'est l'idée d'expérimenter sur le terrain d'évaluation. Bon, besoin de données collectées dans la vraie ferme. Ok, précisément, bah, génial, je vais mettre des abeilles près de mes lapins. Exploitation agricole, occasion, toute demande de retrouver les permissions de collecter les données dans les ruches. Ok, ça m'a l'air gagnant-gagnant. Bon, bah ok. Une relation véritablement symbiotique, obtenir des données. Ok, et tu auras du miel gratuit. Tous mes ans, remplace la reine. J'allais oublier les meilleurs aspects de notre prototype. Tu n'auras même pas besoin de combinaison d'agriculture. Comme c'est facile dans le jeu. Tu sais, la plupart des méthodes de... Alors, inversement, les ruches prioritaires, la santé et le bonheur des abeilles permet de récolter le miel sans stress. Ok, les années ressemblaient à celui de la ruche populaire. D'accord, le maintien de la collecte de données, encore un processus. Merci.
Quand tu auras constitué ta ruche, Tatsu, passe me voir, donner précision. D'accord, c'est noté. Pour la reine, suivront. Je crains de voir te faire payer. Ah, pour les reines suivantes. Bah oui, bon, bah écoute. J'en suis vraiment désolé. Je m'en calise, j'ai du pognon. Mais elles sont très chères à élever. Oui, d'accord. Tu comprends. Oui, oui, oui. Ok, ça va être amusant. Merci à toi. Bonne chance. Donc, si je comprends bien, il m'a filé une... Ah, j'ai gardé ces trucs. D'accord. Je voulais m'en débarrasser. Bon. Bah, ils sont où, du coup? 15h. C'est tout. C'est tout. Il m'a filé une ruche. Vous êtes barré? Des plantes partout. On est déjà visité. Ah non, on n'a pas visité parce que je suis venu, mais j'ai pas publié la vidéo. Il y avait rien. Il y avait rien globalement. Il y avait pas grand chose. Et bah, ils se sont barrés. Mais en fait, tu vois, il y a des aquariums partout. Alors je me demande si à un moment ou un autre, nos poissons. Ouais, enfin nos poissons. C'est un petit aquarium. Enfin, ça dit non, celui-là il est grand. Hein. Bah, ils sont déjà plus là, alors ils seraient là, peut-être que... Du coup, on est là, mais du coup, on n'est pas dimanche, il est 17h, il est 16h, 16h22. Vous êtes fonctionnaire? Vous êtes barré déjà? C'est quoi? C'est un tableau? C'est quoi? Et ça, c'est des abeilles, des ruches. Bon, bah voyons voir si je peux fabriquer une ruche. Allons déjà... Je sais pas s'il m'a donné le plan. Mais vous êtes vraiment plus là, en fait. Ils se sont tous barrés. Il y a plus... Ouh, il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Bon, bah écoutez, on va tâcher de... construire une ruche. Pourquoi pas? Why not? J'ai trouvé un truc qui ressemble un peu à une grotte, mais c'est complètement fermé. Alors peut-être dans le futur, mais who knows? Who knows? Je vous dis à tout à l'heure. Ah non, bougez pas. Ce qu'on peut faire, c'est... téléphoner à la miss. Bah, il faut quand même qu'on fasse un petit rendez-vous. Histoire de... non, c'est pas ça, c'est ça. Par contre, je sais pas du tout où aller, ni le pourquoi du comment. Alors... ouais, c'est toujours toi. Ce serait bien d'avoir une petite jauge pour voir si ça avance. Si on est sur le bon rythme, bon, pas là apparemment pas là. Jamais là, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je voulais passer en ville. Je voulais passer en ville. Mince, je voulais passer en ville. Parce que elle m'a invité, elle était en ville. Et si tu l'invites en ville, tu peux... Oui, mais d'accord, annuler l'invitation. Ah oh mince, j'ai un empêchement en fin de la conversation. Bouge pas, donc du coup, hop, hop, et hop, on va faire ça comme ça, un peu plus rapidement. On va tâcher de faire ça plus rapidement. Faudrait peut-être... Le vélo, donne le vélo, parce que le temps passe très vite, bien sûr. Vélo de Saitama. J'espère que c'est pas Saitama de One Punch Man. Il va me péter la gueule, mon gars. Oh, c'est pas son genre, en plus. Bon, évidemment, j'aime beaucoup One Punch Man. En fait, il me manquait à l'époque, où c'était d'actualité, 2-3 séries. Enfin, séries, oui. Pour avoir la fin de la saison 2. Et voilà. Mais par contre, il n'y a pas de saison 3. Je suis un peu surpris. Et commence à dater quand même le truc. C'est dommage parce que c'était génial. Tout le monde a adoré. Le personnage était vraiment cool. Enfin, en même temps, il était trop fort. Je sais pas. En même temps, gagner ses combats tellement facilement. Je crois que même que les personnages qu'on suivait, c'était pas lui, c'était tous les autres. Bon, bref. Allons-y. En ville, quand on arrive en ville, il y a des connards partout. Alors, nouveau morceau débloqué. Voyons voir si je peux la réinviter. En fait, j'ai jamais annulé un rendez-vous. Et je me demande si... Tu vois, ça c'est lui. Faut pas le confondre avec elle, en fait. J'ai l'impression quand même qu'on a choisi le hard mode avec Keita et d'abord. Et du coup, je voulais voir... Alors, ça va peut-être pas lui plaire du tout, en fait. Ah mince, alors. On peut aller faire du shopping. Et... s'acheter une tenue spéciale.
Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais pourquoi pas? Je sais pas, ça, à 10 contre 1, ça ne lui plaira pas du tout. Et j'ai deux peluches nulles. Salut Kaida, tu voulais faire quoi? Et bah ça, c'est une bonne... Hein? Si on allait faire du shopping. Elle a l'air de sourire un peu sur le truc. Un truc en tête? Parce que moi j'ai du pognon, alors bon, peut-être que... Mais si pour la sortie d'aujourd'hui... Toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Bon bah voilà. Voilà. Alors est-ce que tu as besoin de quelque chose? C'est gentil de proposer, mais je n'ai besoin de rien. Oh la vache. Cette huître fermée. Cette huître fermée. Alors je sais que vous vous dites quelque chose, les enfants. Vas-y, change ta tenue. Jamais! On mourra dans cette tenue hawaïenne. On mourra! C'est trop bien! Il suffit que je dise à mon truc, fais-moi un type avec une chemise hawaïenne en manga, et il y arrive. Donc c'est trop bien, c'est trop trop bien. Ouais, un petit rendez-vous nul, j'ai envie de dire. Vraiment, enfin, complètement un rendez-vous nul. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais? Bah, je sais plus. Ah, c'est vrai que je devais passer chez le menuisier. Bon, bah, c'est raté. C'est raté. C'est bien, mon vélo, il m'attend. Personne ne me l'a volé, c'est très... C'est très sympathique. Bon, bah, écoutez, je vais me rentrer. Que dire, que faire? Rien. Ah, si, on peut aller voir ces abeilles. Est-ce qu'il est possible de construire? Je pense qu'il faut du bois et des planches de bois. Allez, vas-y, roule. Roule, 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 ma poule. Non, je suis pas très très content de l'épisode d'aujourd'hui, je vous le cache pas. Je voulais vraiment avoir les animaux. Malheureusement, j'ai oublié que bah, c'est un RPG. Et qu'il faut bien s'occuper de ceux que tu as déjà. Vas-y, roule. Et ensuite, seulement ensuite. Bon. Ah, mais après, tu te demandes si c'est buggé ou pas aussi. Parce que bon, Yasuri. En fait, il manque Arissa, je crois. Regardez. J'ai normalement 4 lapins. Regardez, il y a Chibi. Et puis, ça monte pas. Il y a Zuri, il y a Mana, et il y a Arissa. Et Arissa, je la trouve pas. Pour éviter de chasser un lapin quand même. Y a rien. Ok, d'accord. Y a rien. Y a-t-il jamais eu de lapin dans ce... Bon, les poules, il n'y a pas de soucis. Des fois elles sont 3, des fois elles sont 4. Mais j'ai plus aucun lapin. À part celui-là. Bon. Eh ben décidément. Est-ce que vous vous êtes fait bouffer? J'en ai aucune idée. On va se coucher déjà. On va se coucher. Alors. On va déjà voir ce truc. Avec le drone. Oui. Alors. Moi, oh, dis donc, mais c'est super beau. Waouh, dis donc, il y a même. Et même un avion qui passe. Oh, j'adore. Franchement, le jeu, il est super. Vraiment, il est vraiment génial. Alors, voyons voir. La construction et... Les ruches. Ça demande planche, bois tendre et puis contreplaqué. Écoute, contreplaqué, je crois qu'il suffit de l'acheter. Et des vis, j'en ai plein aussi. Donc, on va mettre ça genre bah, là. Pourquoi là? Bah, un peu loin quand même des... On va en faire 3. Et puis vous savez quoi? Demain je me débrouille pour les fabriquer, d'accord? Ok, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Bon, les vis, ça j'ai déjà. Ouais, les vis, c'est bon, il les prend. Les planches de bois tendre. Il va me falloir beaucoup de planches de bois tendre. Bon. Comment je fais? Bah voyons voir. Écoute, on va déjà voir si demain j'ai des lapins. Ou si ils sont définitivement partis. Putain, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, il n'y a rien qui va. C'est un enfer. Bon, bah, il va falloir monter le truc. Et encore, je crois qu'il faut monter niveau 3, je suis niveau 2. Donc peut-être avec un gros coup de chance, en m'occupant correctement des lapins, là, tout de suite, je passe niveau 3. Et je peux aller chercher les moutons, parce que je crois que c'est les moutons. Mais il y a un monde aussi où il n'y a plus un seul lapin. Où ils sont pas contents, ils me détestent.
parce qu'ils n'arrivent pas à manger, parce que ce truc-là est bugué, j'en ai aucune idée. Bon, il y a Chibi. Chibi, elle est gentille, Chibi. On pète pète Chibi. Bonjour, Chibi. Allez, il y a. Shai Sai. C'est une poule, ça, on s'en fout. Elle m'aime déjà. Ok, il y a Zuri, il y a Mana. Et je trouve pas le quatrième lapin. Aucune idée de où est le quatrième lapin. On va me dire qu'il est à l'extérieur. Bon, il y a Mana, s'avance un petit peu quand même. Hein. Ouais, bah on n'est pas arrivé. Hein. On n'est pas rendu, comme dirait l'autre. On n'est pas rendu. Attends. Non, ça c'est une poule. Voilà, on va caresser, on va pète le tout petit lapin, ça fait deux. Deux tout de suite, c'est bien. Bon, je crois que j'ai caressé tous les lapins. Ah, je sais pas si c'est un bug. Bref, chers amis. Bon, laissez-moi un petit moment, je vais construire ça. Et je vais tâcher de voir, il faut qu'on ait le cœur net. Ah oui, bah attends, on n'a pas encore, oui, bah là, il faut encore tout arroser. Donc c'est que du bon, je vous dis à tout à l'heure. Ok, chers amis, ça, ce sera fait, c'est sûr. 20 vis. Alors, j'en fais une déjà. Bah oui, comme d'habitude. L'herbe, tout ça, c'est mauvais. On arrive. Ok, super. Yeah. Donc, du coup, need queen bean. Ah oui, il faut que je passe le voir à nouveau. D'accord, ça c'est fait. Maintenant. Les vis sans fer, faut que j'aille les chercher. J'en ai plein, normalement. J'en ai plein, oui. On va peut-être enfin pouvoir, c'est pas dit. Hein. Rien n'est dit. Putain, j'ai une tonne de matériel là-dedans. Roule ma poule. Ok. Ok. Bon, il me manque. Ah oui. D'accord, ça c'est fait. Maintenant. L'heure de vérité, enfin. J'espère que ça va marcher. Alors, hop là. Build. Il bouge pas. Il ne bouge pas. Alors, parce que normalement. Quand tu... Attends, blablabla. Je ne récupère pas le matériel. C'est bien dommage. Bon, au moins on est débarrassé de ceci. Voilà. Alors. Oui, par contre, il va me falloir beaucoup plus de vis. Ça coûte une petite fortune, hein. Il y a beaucoup de vis. Là-dedans, et il faut passer voir papy, mais ça va dégager, bien sûr, incessamment sous peu. Est-ce que j'ai encore assez de matériel pour les trois ruches? Eh oui, super, on a fait trois ruches déjà. Bon, on a besoin d'une reine des abeilles. Vous savez quoi? On finit quand même ça. Je vais chercher le matériel des clous, l'abeille en question, l'abeille cool, bien sûr. Est-ce que... Il est ouvert aujourd'hui. Oh là là, putain, mais c'est chiant, ça lag. Strung. Ils sont là. Alors, du coup, t'es... Non, ça c'est le parc. Oh là là, c'est le parc. Ils sont encore plus loin, bien derrière, là. Ok, donc du coup, ils sont juste fermés le dimanche. 10h, donc ça devrait aller. Bref, je vous dis à tout à l'heure, je vais aller chercher l'abeille. Ok. Bon. Une petite cinématique. Et salut, MC. Oui, pourquoi? Bon, bref, j'ai construit les ruches. Merveilleux. Voilà ta première reine. Une fois que tu seras dans la ruche, ta colonie se développera assez vite. Passe bientôt ta ferme pour collecter les données. Rien comprend toujours pas pourquoi, en quoi ça te rend service. Eh bien, ce genre de recherche... Bon, c'est passionnant. Voilà. Non, globalement, c'est une excuse pour que je fasse du miel. Tu veux du
génial. Ah oui, d'accord, il est drone, machin. Ah, il doit me dire sans doute des trucs un peu importants. Je lirai la quête. À chaque fois. Putain, mais la vache, vraiment, vous avez beaucoup de choses à dire. Hein, tu vois, des Hiro et moi en tout en explorant en fond. Oui, d'accord. Et reviens simplement me voir quand tu auras enregistré tes premiers insectes. Bon, bah, d'accord. Avance, petits insectes. Ok, quête, machin, mise à jour. Oui, ils sont disparus. Je voudrais acheter d'autres. J'en ai trois. Je voudrais acheter des insectes. Et vous avez des aquariums. Moi j'ai des poissons, on pourrait s'entendre. Ils ont disparu. Ils ont redisparu. Qu'est-ce que vous avez à disparaître comme ça enfin? Il est 13h. Mais qu'est-ce que vous avez à disparaître comme ça? Oh, je peux plus sortir. Je peux plus sortir. Enfin, ça dépasse l'entendement. Vous êtes où? Ils sont cons. Mais c'est pas possible. Oh, il y a des abeilles partout. Oh, c'est sympa. Mine de rien, mine de crayon. Bon, bah, les abeilles. Eh bah, tu sais quoi, ça serait le titre de la vidéo. Mais non, mais moi, genre, je voulais... Oh, putain, bon, bref. Bah, je repasserai. Je repasserai pour... Dommage. Ah, ils sont peut-être par là. Ouh. Les boulets, vous êtes où? Vous avez pas un truc pour replanter des arbres? Non, c'est sympa comme ça, les tournesols et tout. Ah, il faudrait que je... Bon, bah, ils ont redisparu. Ah oui, donc ils m'ont filé une abeille. Une abeille. Ok. J'ai une abeille. Est-ce que j'irai pas faire un petit rendez-vous avec la Miss, histoire de terminer là-dessus? Chers amis, globalement, on a fait... Un peu de tout, on a fait un peu de tout, vraiment, on a fait un peu de tout. Et c'était pas une très très bonne vidéo, je vous le cache pas. Je suis hyper... J'aime bien quand il y a un début, une fin, et surtout que quand je prévois quelque chose, bah ça marche, quoi. Voilà, par exemple, voilà, j'aurais dû, voilà, les... on va où? Et bah bonne question, qu'est-ce qu'on sait qu'on va, hein? Tu sais quoi, je devrais aller en ville, essayer un rendez-vous là-bas. Ça la changerait. Ce serait bien de sélectionner la ville d'ici... Annuler le rendez-vous. Ah, mais attends. D'accord. Inagi. Bah voilà. Il suffit de demander. Tu veux aller apprendre des trucs à l'université? Pas du tout. Tu veux aller voir les petits chiens, les petits chats? Je crois qu'il y a ça quelque part. Pas du tout. D'accord. Faire du bénévolat ensemble. Jouer avec les animaux. Qui n'a pas envie de jouer avec les animaux? Enfin. Et c'est ouvert. Bah, c'est tout le temps ouvert. Génial. J'hésite à prendre un chien ou un chat. Je sais pas si ça va... Je sais pas. Bon, on a une petite maison maintenant. C'est vrai qu'on pourrait le... Avant, on était un clodo. Mais maintenant, j'ai une maison. Ouais, on pourrait le faire, ça. Et bonjour. Ah, son visage, il a pas fini de charger, lui non plus. Salut Keita. Vous voulez faire quelque chose en particulier? Oui, bah jouer avec les animaux. Tu peux pas dire que ça ne te plairait pas. Si ça te plaît pas, si tu trouves ça dégueulasse, je change. C'est pas possible. Une fille qui n'aime pas les animaux, une personne qui n'aime pas les animaux, ça dégage. Je me suis bien amusé, merci Tatsu. Bah voilà, tu vois. Voilà, je me suis bien amusé Tatsu. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Ça fait plaisir que tu aies passé un bon moment. Shudai, peut-être un peu trop tôt. On pourrait essayer, mais est-ce que tu as besoin de quelque chose? En général, rien. Bon, something nice, dire quelque chose de gentil. Bon, essayons. Ah, c'est gentil de dire ça. Oui. Je le pense. Je le pense. OMG, quoi. Bon, faisons un truc dans le genre. Tac. On rentre à la maison. Et ça, c'est bien. Et on s'occupe des... D'abord de la... Faudrait un lit. Alors, il me faudrait un lit, bien sûr. Le lit, il faut de la laine avec du tissu. On m'a dit, une fois que t'aurais de la laine, ça débloque le tissu chez la dame. Mais de temps en temps, il paraît qu'elle en a. Bon, bref. Tout ça. Alors, est-ce que... C'est plein.
J'ai acheté aussi plein de graines pour les petits os. Avec le caca, bien sûr. Je pense que le caca, je devrais essayer sur les cultures. Et puis les trucs pour lapins, apparemment, ils mangent jamais. C'est fou, hein. Je sais pas s'il y a un bug. S'il y a un bug quelque part ou quoi que ce soit, mais ça va être compliqué si c'est comme ça. Vraiment. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Dommage. C'est vraiment dommage. Parce que j'aurais voulu quand même avancer un peu là-dedans. Je sais que j'ai câliné, cajolé les poules quelques fois, mais et puis ça a très très bien marché, tu vois, elles ont l'amour, la jauge d'amour pleine. Mais là, tu vois, je vois que deux lapins. J'en ai déjà perdu un. Ah non, tiens, Mana est là. J'ai trois lapins, il m'en manque un. Et apparemment, alors regarde, Mana, elle a un tout petit peu d'amour. Chibi aussi, et c'est Zuri qui apparemment n'a pas d'amour. Alors est-ce que tu fais ça? Tu regardes Zuri? Ouais, mais non, Zuri, ouais. Si je me fie par élimination à ce que ressentent les poules, donc apparemment Arisa et Zuri ont un chez eux, j'en ai aucune idée. Et donc c'est Mana qui n'a pas de chez lui et Chibi, j'en ai aucune idée. J'ai pas compris. Ouais. Bref. Alors, hop là. Donc, la petite abeille. L'abeille cool. Insérée. Et puis, yeah! Et ça réfléchit. Bon, j'imagine que demain, ça ira mieux. Faudra aller me coucher. Faudra aller me coucher, j'imagine. I guess. Bon, voyons voir. Je crois que j'ai fini, hein. Eux, ils sont bien. Le caca, il est ramassé. Ils ont pas soif, ils ont pas faim. C'est bien parce qu'apparemment, au-dessus de leur nom. S'ils ont soif, ça apparaît. Putain, j'arrête pas de couper cette herbe-là. Elle revient tout le temps. Bon, alors à savoir que il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu des bugs. C'est un early access. Le jeu vient de sortir. Bon, bref, vous savez, moi je me précipite day one sur un jeu. Globalement, c'est pas bien. On est toujours en été, hein. Globalement, voilà, c'est bien de laisser mûrir un peu un jeu. What the heck? Ah oui, machin, il est là. Ouais. Bonjour, Tatsu. Rio, je viens pour te collecter les données. Oh ouais, va collecter les données, va. Va donc collecter les données. Il a collecté les données, ça y est. Ouais, barre-toi maintenant, excellente nouvelle. Ta forme a l'air heureuse, en bonne santé, tant mieux. Cultures sont particulièrement saines. Ouais. Juste besoin de récolter quelques données, faire pousser. Ok, oui, bon, bref. Bien sûr, quelle fréquence d'irrigation chaque jour? Oui. Alors, j'arrose pas chaque jour parce qu'il pleut. Les engrais. J'ai du caca de poule, il faudrait que j'essaye. Pourquoi? Bah, je sais pas. Les cultures pourraient préparer toi-même, j'imagine. Oh, ta gueule. Avance maintenant, j'ai pas envie de rester dehors là. T'as vu la misère? Fantastique. Meilleur ami du jardin. Je suis où là? Il m'a foutu dehors de chez moi. Énorme. Bon, bref. Juste voir un petit peu les lapinous. Alors je me demande aussi si je fais la chose suivante. Un truc qui va peut-être pas vous plaire. Tiens, c'est vrai maintenant je peux offrir de la merde à quelqu'un. Ce serait horrible. Ok, et voilà. Je sais même pas quel jour on est. On est vendredi. Parce que je voulais essayer ça. Tu pètes pète, certes. Ça fait des petits plus, certes. Ah, Zuri, il a un petit peu d'amour qui arrive. Bon, bah, il va falloir vraiment être très patient, hein. Il va vraiment falloir être très très très, très patient. Voilà, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, voilà. Je suis vraiment désolé, c'était pas une super. C'était pas génial. Ouais, vraiment, ça m'a. Malheureusement, ça restera vide. On a encore quelques niveaux. On n'est pas trop loin. Ça avance doucement, mais. Ah, ça fait du bien. Ça avance doucement, mais sûrement. On a enlevé déjà les merdouilles. Les barrières qui étaient mal posées. Ça aussi, ça demande du boulot parce qu'il faut aller faire fabriquer les trucs et tout. Bref.
Gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Tchou tchou, bye bye, à la prochaine.